on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo soins, on va dire, beauté. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de mes petits favoris du moment. Alors, j'essaye de prendre en considération vos remarques. Je sais que sur mes vidéos, certaines ont du mal à avoir un son correct. Alors, certaines ça va, d'autres pas. Donc, j'essaye de faire un maximum, mais voilà, je suis un petit peu tributaire de vos téléphones et de vos appareils, je pense. Et ensuite, certaines me disent aussi que je ne regarde pas spécialement l'objectif. Donc, c'est vrai que c'est très difficile quand on a un retour écran. Donc, j'essaye de le faire. Donc, voilà, excusez-moi si je n'arrive pas totalement. Je prends en note vos considérations, il n'y a pas de souci. Donc, c'est parti pour les favoris du moment. J'ai tout mis dans mon petit panier qui vient de chez Iman, entre parenthèses. Donc c'est parti, j'ai quelques petits favoris à vous présenter, c'est des choses que j'utilise beaucoup en ce moment, donc c'est pas, voilà, c'est pas des choses que j'ai pas testées ou quoi que ce soit, donc voilà, c'est parti. Donc au niveau, donc de toute façon j'ai que des favoris visage, au niveau du corps j'ai pas spécialement de chouchou en ce moment, du moins j'en teste, donc je préfère vous en parler plus tard. Donc on commence par le nettoyage. Donc au niveau nettoyage, je teste, vous avez dû le voir dans un haul I Herb que je vous ai fait il n'y a pas très longtemps. Je teste donc cette marque que j'ai pris là-bas, c'est la marque Alba Botanica. Voilà, qui est une marque clean et tout en termes de composition, donc je ne vais pas me re-attarder à chaque fois. De toute façon, je vous présente toujours des choses qui sont clean, ou s'il y a des choses qui ne sont pas très clean, je vous le signifie. Donc celui-ci est un nettoyant visage à l'ananas. Donc moi j'aime beaucoup ce style de conditionnement parce que voilà, je l'ai à côté de mon lavabo et je peux m'en servir. Voilà, je me mouille le visage et j'en mets pas partout, j'ai pas à dévisser ou quoi que ce soit. Donc je trouve que c'est l'idéal pour dans les packaging, je trouve ça bien, même pour les gels douche, etc. Donc c'est un nettoyant visage qui se présente sous forme un petit peu de gel, je ne sais pas si vous allez voir. Qui sent divinement bon l'ananas, mais alors je dirais pas l'ananas très sucré, c'est un ananas qui est assez frais quand même. Donc on mouille son visage, on en met un petit peu de, je dirais deux pompes, ça suffit dans la main, et on va se masser le visage avec. Ça va devenir assez mousseux, assez laiteux, pas une énorme mousse, un peu laiteux. Voilà, moi je masse assez longtemps, voilà, donc en même temps ça fait un effet un petit peu de massage sur le visage, ce qui n'est pas désagréable. Et voilà, ensuite on le rince tout simplement comme un nettoyant, je le trouve super, c'est à dire que il fait son job, il est frais, il apporte donc de la fraîcheur, vous pouvez très bien le faire sous la douche également, moi j'en ai un sous la douche, mais voilà, il est frais et surtout il ne me laisse pas une peau sèche ou qui tiraille ou quoi que ce soit, vraiment je l'aime beaucoup. Donc voilà, si vous voulez un nettoyant visage et si vous voulez tester, je vous le recommande, il n'y a pas de souci. Par contre je ne me rappelle plus au niveau du prix, de toute façon je vous mettrai les liens en barre d'infos comme d'habitude. Voilà. Donc toujours au niveau du visage, une fois que je me suis donc nettoyé le visage, si je ne suis pas sous la douche ou quoi que ce soit, alors le matin, parce que le soir j'en utilise une autre, j'utilise cette brume de chez Andalou Cosmetics Naturals. Celle-ci c'est la gamme donc noix de coco menthe, qui sent vraiment très bon, pas fort la noix de coco, je dirais qu'on sent beaucoup plus la menthe sur cette brume, mais pas de la menthe, comment vous dire, de la menthe, ça sent en fait, ça sent un diabolo, un diabolo menthe, vraiment ça sent un diabolo menthe avec une touche de noix de coco, mais la noix de coco ne domine pas l'odeur, c'est vraiment la menthe. Donc si vous aimez pas, passez votre chemin, si vous voulez quelque chose qui sent la coco, non plus. C'est pas ça quoi, ça vraiment ça sent le diabolo menthe. Je pense que c'est vraiment bien défini comme ça, pourtant je suis pas une as pour définir les définitions, les odeurs. Bon. Et donc celle-ci c'est un tonique affermissant. Voilà, donc moi je me le passe après mon nettoyage, voilà, pour bien hydrater ma peau, pour raffermir. Je trouve qu'il repulpe bien la peau, je trouve sympa. Et comme je vous disais, je pense c'était lors du haul. La brume, contrairement donc à celle de Pulpe de Vie, si vous avez vu ma revue sur Pulpe de Vie, vous saurez de quoi je parle. La brume, donc au début je faisais une erreur, je faisais des petits pchits, je n'osais pas appuyer sur le pchit et c'était pas génial, mais après j'ai compris qu'il fallait faire un gros pchit
bien appuyée. Et donc là, en deux pchits, j'ai fait tout mon visage et ça diffuse une brume très fine, très légère. Donc j'aime beaucoup cette brume. Voilà. Ensuite, donc pour, on va dire, pour hydrater. Après, j'ai deux petites choses que je me sers énormément en ce moment. Alors, la première, c'est un contour des yeux, concombre Black Seed, si je ne me trompe pas, de la marque Lil Fox. C'est une marque d'Ecolux. Voilà, je vais vous montrer peut-être de plus près si ça me fait le focus. Voilà, la marque Lil Fox et c'est ce contour des yeux qui m'a été donc gentiment offert par ma copine Sophie. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Donc ça se présente comme ceci dans le pot, c'est une pâte assez grasse, donc je l'utilise le soir uniquement, pas le matin. C'est une pâte assez grasse que je mets en contour des yeux et sincèrement, j'en suis bluffée. Vous connaissez mon souci de cerne violette, surtout à ce moment parce que j'ai la petite qui ne fait pas bien ses nuits. Et alors ça ne m'enlève pas les cernes violettes, ça ne me les cache pas du tout. Mais par contre, j'ai un contour des yeux qui est moins creusé, qui est plus lisse, j'ai l'impression, quand je me lève. Enfin, moi, j'en suis ravie. J'en suis ravie, vraiment. Si vous cherchez un bon contour des yeux qui vous hydrate, qui vous, sans vous graisser, bien que celui-ci est gras, donc c'est pour ça que j'utilise que le soir, foncez. Celui-ci, moi, je l'adore. Et niveau hydratation, pareil, uniquement le soir, j'utilise cette huile beauté, la Beauty Oil Elixir de chez Beauté Botanique, la Cléopatra Secret. Donc, le packaging, c'est un carton, voilà, juste avec l'étiquette de la marque. Et à l'intérieur, vous avez un petit flacon. Donc, c'est un petit format. Celui-ci également qui m'a été offert par ma copine Sophie. Donc, je la en remercie parce que vraiment, j'adore. Donc, c'est sur flacon pipette. Et vous voyez, ça fait quand même un petit moment que je l'utilise. Maintenant, j'alterne avec d'autres huiles. Mais on n'a pas besoin d'en avoir beaucoup. Donc, c'est un petit flacon doseur comme ça. Donc, vous mettez deux gouttes dans votre main. C'est vraiment... c'est rien quoi, c'est voilà, donc vous mettez deux gouttes, je dirais que je mets deux gouttes, donc je mets vraiment pas beaucoup, et c'est un petit flacon de 10 ml, et dedans vous voyez, je sais pas si vous allez voir, qu'il y a des petits brins de safran en fait, voilà, et j'adore cette huile, pareil, c'est un coup de cœur, j'arrivais en fin d'une huile de chez Léa Lani, la Champagne Sérum, que j'adorais. Et celle-ci, ben, celle-ci pour moi est peut-être même un cran au-dessus. Pas un terme olfactif, parce qu'un terme olfactif, c'est pas, voilà, c'est pas sensationnel. C'est assez, on va dire, des odeurs botaniques. Mais niveau d'efficacité, je trouve ça super. Ça me donne une bonne mine. Dès le réveil, j'ai pas le teint complètement gris. Donc voilà, j'aime beaucoup. Je vous ai pas dit le contour des yeux. Pardon, de chez Lil Fox, en termes d'odeur, bon, ça sent pas, voilà, il n'y a pas, ça sent un petit peu, c'est assez masculin comme odeur par contre, mais voilà, pareil, c'est pas sans ça ce niveau odeur, c'est des odeurs assez masculines et assez brutes. Ensuite, niveau entretien visage, voilà, soin un peu plus particulier, donc je vais vous montrer un gommage visage, pareil, de la marque Alba Botanica, que j'avais eu sur iHerb aussi. Et donc, c'est un masque visage à la, ben, à la nana, comme le nettoyant. Et ce masque, il est... ce gommage, pardon, il est sensationnel. Donc, il se présente en gel un petit peu blanchâtre. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si on va voir. Je ne sais pas trop. Donc, c'est un gel un petit peu blanchâtre où il y a des petits grains dedans. Mais alors, vraiment des grains... qui sont pas trop abrasifs, je dirais. Voilà, ça nettoie, c'est pas des grains hyper fins, mais c'est pas des gros grains abrasifs comme peuvent l'être certains autres masques. Ça sent très très bon, donc pareil, l'ananas, mais je rajouterai un peu crémeux, si ça se dit. Et au niveau du grain, voilà, c'est assez fin, et donc ça fait un petit peu... je vais vous montrer, ça fait un petit peu blanchâtre quand on le passe.
des graines assez fines, donc ça nettoie bien bien le visage. Et c'est surtout que moi je trouve qu'une fois gommée, nettoyée, j'ai une sensation de fraîcheur dans le visage. J'adore, je suis fan de ce gommage. Et ça me n'irrite pas la peau, c'est pas quelque chose, c'est pas un gommage abrasif ou quoi que ce soit. Voilà, donc je suis fan. Gommage Alba Botanica, le Hawaiian Scrub. Voilà. Ensuite, pour me démaquiller, c'est pareil, j'ai un petit chouchou. Donc pareil, vous allez peut-être voir les produits finis, vous ne l'aurez pas vu, je ne sais pas. Donc j'ai fini mon nettoyant que je me servais donc pour les yeux de chez Les Secrets d'Elo. Et donc du coup, j'utilise celle-ci maintenant, c'est l'huile démaquillante Nature. Voilà. Naturelle de chez Les Essentiels Nature, c'est Savonnerie Les Essentiels. Pareil, une marque française fabriquée en Provence. Donc une huile qui sent une huile, c'est voilà. Il n'y a pas d'odeur spécifique ou quoi que ce soit. Et c'est une bonne huile démaquillante, je trouve. Moi, je m'en sers beaucoup pour les yeux, mais vous pouvez vous en servir pour le visage également. Et c'est un petit chouchou parce que vraiment, au niveau des yeux, elle démaquille vraiment bien bien. Et dernier petit favori, c'est le masque, pareil, ça c'est de l'Écolux, donc c'est le masque que j'essaye d'économiser un maximum. C'est le masque Mermaid Mask de chez Léa Lani. Voilà, donc ça c'est vraiment une marque d'Écolux que vous pouvez retrouver donc, sur le site de So Natural Beauty, mais également Eminescence, Green Jungle Beauty Shop. Donc c'est une marque que j'affectionne énormément au niveau du sensoriel et de l'olfactif. C'est quelque chose qui vous amène dans les îles, clairement. Au niveau des odeurs, c'est très marqué. Donc celui-ci, Mermaid Mask, vous voyez, je l'utilise, mais à parcimonie. Donc celui-ci, c'est assez pâteux. Il faut donc, vous le mettez dans un petit récipient ou au croc de votre même, vous humidifiez avec un tonique, de l'eau, ce que vous voulez, et donc vous le laissez poser après, et c'est un masque qui fait des miracles, il vous fait un teint sublime après. Voilà, si vous trouvez que vous êtes fatigué, que vous avez le teint gris, la mauvaise mine, etc., eh bien je vous conseille ce masque, il est topissime, donc voilà. Donc voilà pour mes petits favoris beauté du moment. Il n'y en a pas énormément, mais voilà, vous savez que je suis dans une démarche de ne pas non plus avoir des milliards de produits. Et j'avais envie de vous faire ce petit top des favoris du moment. Je crois que c'est la première fois que je fais ça. Mais si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire, je vous en referai de temps en temps sans souci. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt, bye bye.